Je vous propose de quitter la France un instant. Nous allons voyager de l'autre côté de la Terre. Voici l'Asie. Bienvenue au Cambodge. Mon invité est français. Il est biologiste de formation et vit au Cambodge depuis 2008. Il a découvert l'apiculture par accident. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Happy, le podcast de mespremièresruches.com, le blog qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir d'échanger avec Éric Guérin, un Français installé au Cambodge. Sa mission est de contribuer à la préservation des abeilles asiatiques. Éric a une vie bien occupée, car sur son profil professionnel LinkedIn, il cumule plus de 55 différentes expériences professionnelles. Il a travaillé notamment avec l'UNESCO, l'ONU ou encore avec WWF. Éric a écrit des livres, réalisé des études, bref, Éric est prolifique. Il va nous parler de la situation de l'apiculture au Cambodge dans cet épisode et notamment de l'Apis dorsata, l'abeille géante, une espèce d'abeille présente au Cambodge. En France, nous connaissons surtout l'Apis mellifera. Il existe 9 espèces d'abeilles du genre Apis dans le monde. Et il faut savoir que les 8 autres espèces d'abeilles sont présentes en Asie. Et Eric va nous en donner un aperçu. Je vous prie m'excuser parce que au milieu du podcast, il y a eu quelques problèmes de micro. Bonne écoute. Bonjour Eric. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup de m'accorder ce temps. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et notamment dire où est-ce que tu te trouves, s'il te plaît? Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Éric Guérin. Je suis français, mais je suis installé au Cambodge. Je vis en Asie du Sud-Est depuis bientôt 16 ans maintenant. Voilà. Et peut-être pour en dire un petit peu plus sur mon parcours, je suis biologiste de formation. J'ai travaillé, je crois, une vingtaine d'années en France. Voilà, dans l'environnement également. Et puis, je suis venu en Asie du Sud-Est pour m'impliquer dans des projets de développement avec des communautés, des projets en lien associant le développement de communautés et la protection de l'environnement. Voilà, sur différents thèmes. Et puis, de fil en aiguille, je suis venu à m'intéresser aux abeilles, un peu par accident. Et ma première rencontre avec les abeilles, ça a été avec des abeilles géantes, dont je parlerai un peu plus tard. Et voilà, donc j'étais en recherche d'activités susceptibles de générer des revenus pour des habitants, des communautés flottantes. En fait, ce sont des gens qui habitent dans des villages flottants. Voilà, et je m'occupais de ça à ce moment-là. Et j'ai à un moment considéré de développer des projets de récolte de miel sauvage de ces abeilles géantes. Voilà, c'était mon premier contact avec ces abeilles-là. Et puis, bon, après, il y a eu plusieurs épisodes. Je suis devenu apiculteur. Je pense que j'étais un des premiers, si ce n'est le premier du Cambodge. Et puis, pendant ma période apicole, je me posais toujours des questions, en fait, sur l'impact de mon activité sur les abeilles sauvages, sachant que l'apiculture au Cambodge, j'en parlerai sûrement un peu plus tard, elle est essentiellement le fait d'une abeille introduite. Donc, on n'est pas sur une abeille locale. Donc, je me posais toujours ces questions-là, en fait. Et ça m'a tellement travaillé qu'un jour, j'ai arrêté et j'ai développé ma passion pour les abeilles locales d'Asie du Sud-Est et j'en ai fait mon travail. En fait, je suis devenu consultant ou je ne sais pas comment on appelle, expert ou spécialiste de la protection des abeilles d'Asie du Sud-Est. Ouais. Mais avant, en France, est-ce que tu avais déjà connu ou approché l'abeille ? Avec une personne de ta famille ou une connaissance qui a fait l'apiculture ou vraiment tu as découvert ça plus tard au Cambodge? Jamais, absolument jamais. J'ai découvert l'apiculture en Europe, en fait en Belgique, plus tard. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé avec des abeilles en Asie du Sud-Est, j'ai passé 3 mois en Belgique avec un ami belge que j'ai rencontré au Cambodge. Et qui développait une ferme biologique avec de multiples activités, dont un petit rucher. Et il m'avait demandé de venir l'aider. Donc voilà, je suis allé travailler avec lui
quelques mois. Et c'est là que j'ai découvert l'apiculture en Europe. Et voilà, ça a été une grande découverte. C'est ouais, pas mal de choses différentes en fait. C'était en quelle année, ça? Alors ça, c'était en 2000, je crois que c'était, je sais plus, 2017, je crois peut-être. J'ai plus de souvenirs précis, mais ouais, Oui, c'était peut-être en ok. C'est 2017. vraiment, c'est très. Oui, 2017, je pense. Oui. C'est récent, ouais, comme vocation. D'accord. D'accord. Ouais. Et mais je connaissais déjà les abeilles asiatiques, mais c'est voilà, la découverte de l'apiculture en Europe, c'est 2017 pour moi en fait. D'accord. Et donc là, pourquoi le Cambodge? Pourquoi pas le Alors, Laos, la Thaïlande ou un autre pays du sud-est asiatique? c'est un peu un accident de parcours. C'est un peu une histoire personnelle, hein, mais j'étais invité en Thaïlande à un mariage. Ça remonte à 2006. Après, j'ai voyagé en Asie. Je suis allé justement au Laos, etc. J'ai beaucoup aimé. Et je suis allé vraiment la dernière semaine qui me restait avant de retourner en Europe. J'ai fait un petit tour au Cambodge, un peu à contre-cœur parce que ce pays me disait rien de particulier. Et ça a été un coup de cœur. Voilà, c'était comme on peut dire, un coup de foudre en fait. Et je suis rentré en France et en me disant, il faut que je revienne, il faut que je revienne. Voilà, et j'ai repris un travail en France pendant 1 an et demi. Et puis j'ai démissionné et puis je suis venu ici. En fait. Voilà. Ah oui, d'accord, tu t'es dit, ok, Voilà. t'as tout quitté en France J'ai pour aller tout vivre au quitté en. Cambodge. Voilà, et puis c'est particulier, de temps en temps dans la vie, on sent des élans forts, en fait, comme c'est des projets, enfin, c'est des décisions un peu folles, c'est pas des décisions rationnelles, en fait, parce que rationnellement, ça n'avait aucun sens, en fait, j'abandonnais beaucoup de sécurité, beaucoup de confort, pour quelque chose qui était complètement incertain. Je suis venu, j'avais pas de travail, j'avais pas de mission, j'avais rien du tout, en fait, et je suis venu en me disant, je vais essayer. Et voilà, c'était aussi réaliser un rêve pas d'enfance, mais quand j'avais 18 ans, je suis parti au Mali, creuser des puits, comme ça, un petit projet. Et ça m'avait marqué, en fait. Je savais que c'est ça que je voulais faire, en fait. Et je ne l'ai pas fait. Ça m'a pris 20 ans pour le faire. Parce que je suis un peu un trouillard. J'ai du mal à prendre des risques. Et voilà. Et puis finalement, un jour, c'est venu. Et puis voilà, je suis venu. Et ça n'a pas été simple, mais. Ben, j'ai vécu plein de belles choses en fait depuis. Et après, donc, tu as approché, enfin, donc là, tu as après pratiqué l'apiculture au Cambodge et tu m'as dit avec des abeilles importées, donc l'abeille, l'Apis mellifera, donc. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, l'apiculture en Asie du Sud-Est, enfin, grande partie, l'essentiel de la. Ou, je vais le dire différemment. L'apiculture en Asie du Sud-Est et en Asie est majoritairement le fait d'Apis mellifera et donc d'abeilles importées. Donc, ce sont des abeilles introduites. Je ne me souviens plus les sous-espèces, mais c'est un mélange de plusieurs sous-espèces. Et ça a été introduit dans notre région au Vietnam et en Thaïlande. Là, on parle il y a peut-être. 70 ou 70 ans ou 80 ans, et je crois que ça venait de Taïwan à l'époque, elles avaient déjà été introduites à Taïwan avant. Et au Cambodge, c'est très récent, en fait, ça fait 10, un peu plus de 10, 10, 15 ans, moins de 15 ans que l'apiculture a été développée. Et aussi avec Apis mellifera. En fait, puisqu'on on a commencé à parler d'apiculture, en fait, en Asie, on a aussi les abeilles, j'en parlerai plus tard, mais on a une des abeilles. On a une beaucoup plus grande diversité d'abeilles mellifères en Asie que vous n'avez en Europe. En Europe, vous avez une seule abeille mellifère qu'on appelle Apis mellifera. En fait, c'est une espèce qui se retrouve en Europe et en Afrique également, avec de multiples sous-espèces et avec des sous-espèces, une grande variété. Et d'ailleurs, je parlais de. Non, j'ai pas parlé de ça, mais je parlerai plus tard de migration. Mais en Afrique, il y a aussi des abeilles, des certaines sous-espèces d'Apis mellifera qui migrent. Ce que vous n'avez pas en Europe, en fait, à ma connaissance, les abeilles Apis mellifera, les sous-espèces européennes ne migrent pas. Et bon, je reviens sur l'apiculture en Asie et en Asie du Sud-Est.
On a une abeille, une des abeilles mellifères de notre région qui s'appelle Apis serrana. Donc certains apiculteurs en auront sans doute entendu parler parce que c'est une abeille que les apiculteurs en Occident souvent envient pour ses résistances aux maladies et aux parasites, notamment le varroa et au frelon asiatique. Voilà, parce que beaucoup de ces problèmes viennent d'ici, en fait, on en parlera sans doute plus tard. Mais voilà, ce sont le varroa, c'est originaire d'Asie du Sud-Est. Les frelons asiatiques, enfin, celui que vous avez, Vespa velutina, en France, il est originaire de Chine. Mais au Cambodge, on a 4 espèces de frelons asiatiques. On a celui-là et on en a 3 autres, dont un qui est bien pire, qui est bien plus dangereux, en fait, bien plus dangereux, bien plus agressif. Vespa okay. sauvage, oui, il va faire des trous dans les ruches, il pénètre à l'intérieur. Voilà, ce que c'est pas faire Vespa velutina, à ma connaissance. C'est frelon asiatique géant, c'est celui-là? Alors, je ne sais pas si c'est un des géants, mais il y en a plusieurs, parce que dans les géants, il y a le géant, il y a le mandarin, celui de Chine, et il y en a un au Japon aussi, Japonica, je crois, en fait. Voilà, je connais pas bien les noms, mais voilà. Mais il se rapproche de cela. Effectivement, quand on voit sa tête, son allure, effectivement, ça ressemble plus à ça. Et voilà, donc Apis serrana se débrouille bien mieux avec tous ces problèmes-là. Et du coup, historiquement, l'apiculture dans la région a été développée avec Apis serrana. Et j'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses communautés d'apiculteurs traditionnels dans de nombreux pays de la région, notamment dans le nord du Vietnam, nord de la Thaïlande également, au Laos, au Népal également. Et en fait, ces gens pratiquent une apiculture très extensive qui prend en compte la migration des abeilles. En fait, l'Apis serrana, comme les autres espèces d'abeilles asiatiques, migrent en réponse, on va dire, aux modifications des conditions environnementales, et notamment, en particulier, des floraisons. Pas que, ça dépend des espèces. Il y a certaines espèces, comme les espèces qui vivent dans l'Himalaya, vont migrer aussi en fonction des saisons, enfin en fonction des températures, en fait. Hein. L'abeille géante de l'Himalaya, elle va descendre dans les vallées quand il fait trop froid. Mais Apis serrana migre aussi. Ces migrations sont assez mal comprises, mais elles migrent. Et du coup, ces apiculteurs traditionnels, avant la saison de migration, ils placent des ruches pièges. Donc, ce sont des ruches vides avec des traces de cire. Voilà, en fait, on sait que la cire attire les abeilles. Et ça attire les abeilles parce qu'en fait, en France, peut-être, ce n'est pas une notion qui est bien comprise, mais il faut comprendre que pour les abeilles qui migrent, la recherche d'un site de nidification, c'est un challenge énorme. Il ne faut pas se tromper, en fait. Et il faut pouvoir sélectionner son site en fonction des ressources florales, des ressources en eau aussi, hein, les abeilles ont besoin d'eau, et puis des conditions d'environnement en général, mais pas uniquement au moment où la décision est prise. Il faut que le site soit favorable pendant tous les mois de développement de la colonie jusqu'à ce qu'elle essaime et qu'elle remigre. Et du coup, on ne sait pas bien comment les abeilles choisissent, enfin comment elles peuvent avoir connaissance de tous ces paramètres qui ne sont pas visibles au moment où elles prennent cette décision. Et ça pourrait être une partie d'explication pourquoi les traces de cire attirent les abeilles, parce qu'en fait, si elles reconnaissent l'odeur de la cire, elles se disent qu'il y a eu une colonie qui a niché à cet endroit-là avant, et que donc ce doit être un site qui est favorable. Voilà, c'est ça que je me dis. Et du coup, c'est ce que font ces apiculteurs. Ils placent des ruches. Alors souvent, c'est dans la forêt. Ils ont une énorme connaissance des abeilles. Ils savent bien. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est en lisière de forêt. Donc, ils ont des endroits spéciaux pour placer les abeilles. Et ils utilisent aussi autre chose qui est très intéressante. Et j'ai compris ça récemment. Et il me semble que Yves Lecomte, dans son interview, dans le podcast que j'invite à écouter, parce que c'était passionnant, et il mentionne ça, le fait que des apiculteurs utilisent de la bouse. Alors lui, il parle de bouse de vache, je crois. Moi, ce que j'ai vu, c'est de la bouse de buffle. Je ne sais pas si tu te souviens, peut-être je confonds, mais voilà, j'ai vu dans le nord du Laos des apiculteurs qui mettaient autour de l'entrée de la ruche de la bouse de buffle. Et il me disait, ça attire les essaims.
Et je me disais, mais je ne comprenais pas pourquoi, mais bon, voilà, moi je l'ai pris comme tel. Et en fait, j'ai lu récemment, je crois que c'est un papier d'un Vietnamien qui a montré que les Apis cerana collectaient. Ah, et du coup, j'ai encore une autre idée qui me vient. Je viens de comprendre quelque chose en parlant avec toi. Collectaient de la bouse de buffle et pour la mettre autour de l'entrée parce que c'est un répulsif pour les frelons. C'est pour ça qu'elles utilisent ça. Et du coup, et c'est ça qui est passionnant, en fait, c'est que ces apiculteurs, ils mettaient de la bouse de buffle, mais sans savoir, ils savaient que ça marchait, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et c'est extraordinaire. Et en fait, j'ai vu souvent Apis cerana collecter de l'eau dégueulasse. Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais souvent, on les trouve dans les toilettes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au Cambodge, le miel, c'est une des raisons pour lesquelles le miel d'Apis cerana, parfois, les gens sont un peu. Ils n'ont pas trop envie d'en manger. Ceux qui ont déjà vu l'abeille, voilà, bon, elle passe pas son temps dans les toilettes, mais voilà, parfois elle est sur les eaux qui sortent un peu. Elle est. Je ne sais pas si c'est lié. Hein, j'imagine un lien comme ça. Voilà. Donc voilà, ils font ça et du coup ils collectent, ils capturent des essaims, ils les ramènent dans leur village pour des problèmes de sécurité parce que sinon ils risqueraient de se les faire voler. Et ensuite, ils les conservent pendant la saison de floraison. Et juste avant la fin de la saison de floraison dans leur secteur, ils récoltent le miel et ils laissent partir les abeilles. Donc les essaims repartent en migration. Alors voilà, D'accord. et ils attendent l'année prochaine que les essaims reviennent. OK. Alors c'est une apiculture très intéressante qui est assez respectueuse de l'abeille, sauf qu'il y a quand même. Comme ce sont des ruches qu'on appelle ça à rayon fixe, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre ou pas de barrette non plus. Donc les abeilles, la plupart du temps, hein, donc les abeilles vont accrocher leur rayon sur le plafond de la ruche, sur le toit de la ruche en fait. Et du coup, la récolte revient à détruire le nid. Souvent, le nid est détruit. Et alors, l'impact, il est. Je pense que souvent, la plupart du temps, les colonies sont pas tuées parce qu'ils ont compris que c'est pas leur intérêt. Mais par contre, elles sont amenées à partir en catastrophe. C'est-à-dire qu'elles vont partir sans réserve de miel et éventuellement, elles n'auront pas eu le temps d'essaimer. Ça, je ne sais pas, j'ai pas pu étudier ça assez en détail parce que vraiment, enfin, là, on va rentrer un petit peu dans des aspects de conservation. Moi, ce qui m'importe, mon sujet, c'est vraiment la protection des populations, enfin, la protection des abeilles d'Asie du Sud-Est. Et donc, ce qui m'importe, je travaille à l'échelle des populations. Et à l'échelle d'une population, on essaie de protéger chaque colonie. Mais quand on protège les colonies, on pense aussi aux colonies que la colonie va produire par essaimage. Et donc, c'est important, si on détruit le nid avant que la colonie ait essaimé, on n'aura peut-être pas tué la colonie, mais on va ne pas permettre que des colonies de remplacement d'éventuelles colonies qui seraient mortes puissent être produites par cette colonie. Je ne sais pas si ma phrase est claire, mais voilà. Et ça, j'aimerais bien étudier ça, mais je n'ai pas pu prendre assez de temps avec eux. D'accord. Voilà. Et du coup, ça, c'est pratiqué dans de nombreuses régions, essentiellement dans des régions montagneuses. En Asie du Sud-Est. Voilà. Et de manière intéressante, au Cambodge, ce n'était pas le cas. J'ai retrouvé aucune trace d'apiculture historiquement. Je n'ai pas trouvé de traces dans les écrits que j'ai fouillés. Je n'ai pas trouvé de traces d'apiculture au Cambodge. Même dans les Alors. temples d'Angkor, il n'y a aucune gravure qui représente la pratique de l'apiculture, non? Non, alors c'est très bonne question. Alors non, Parce par que... contre, j'ai retrouvé des scènes de chasse de miel. Donc il y a une scène notamment que j'ai trouvée qui représente clairement un chasseur de miel. On voit très bien le nid d'abeilles géantes et un chasseur de miel. Donc D'accord. et puis on retrouve dans les écrits, dans la période des temples, que la cire était utilisée comme un pot, je crois en fait. Voilà. Donc il y avait une vraie valeur. Comme un Alors impôt? oui, je crois, ça Ok. rentrait dans les. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois Ok, que les c'était un. Romains payaient en sel et après au Cambodge Voilà. on pouvait payer Ici, en cire. c'était en cire. Il y avait des lingots de cire. Je suis en relation avec
des archéologues ici. Voilà, on en a parlé. D'ailleurs, on va faire, bon, c'est pas très intéressant pour les gens qui habitent en France, mais la semaine prochaine, je suis invité à une journée sur la cire au Cambodge et justement dans l'histoire avec des spécialistes de chaque domaine, donc les fondeurs, etc. En fait, pour voir D'accord. comment c'était utilisé en fait. Hein. J'ai une question pour. Donc déjà, j'apprends une chose, c'est que l'Apis cerana peut être domestiqué. C'est déjà un premier grand apprentissage. Et je pense que dans les 9 espèces d'abeilles, donc il y a l'Apis mellifera qui peut être domestiqué et l'Apis cerana. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être domestiqués, la Alors, dorsale? non. Alors dans les 9, les 9 abeilles que tu as citées, donc il y en a une, Apis mellifera, qui est en Europe, en Afrique, et dans les 8 espèces d'abeilles asiatiques, il y a en gros deux groupes. Elles se divisent en deux groupes. Le premier groupe, ce sont des abeilles qui sont assez proches d'Apis mellifera, dans le sens que leur nid est constitué de rayons parallèles multiples et construit dans une cavité. Donc théoriquement, ce groupe, ces 4 espèces d'abeilles pourraient faire l'objet d'apiculture. À ma connaissance, je ne connais que l'apiculture avec Apis cerana. Les autres espèces sont très locales en fait, et j'ai pas connaissance. Les 3 autres espèces, je crois, elles sont vers l'Indonésie, dans des îles. Je les connais pas bien, et j'ai pas connaissance d'apiculture avec ces abeilles. Mais je vais pas dire que c'est pas le cas. Je connais pas en fait. Et D'accord. les 4 autres. Alors là, on est sur des abeilles qui n'ont absolument rien à voir. On est sur des abeilles qui nichent en extérieur. Donc leur nid, elles ne construisent jamais leur nid dans une cavité. Et le nid est constitué d'un rayon unique. Donc c'est un rayon qui est accroché à une branche ou sur une falaise ou un mur, une construction. Voilà, alors on est sur une architecture de nid et des sites de nidification qui n'ont absolument rien à voir, et du coup ça a beaucoup de conséquences sur la biogéologie de ces abeilles. Et là, on a ce groupe-là se divise en deux groupes. On a deux abeilles géantes, donc on a les deux plus grosses abeilles du monde, et deux abeilles naines, donc les deux plus petites abeilles, pardon, abeilles mellifères du monde. Il y a des abeilles plus petites, mais on est sur les, voilà, les, pour ce qui est des abeilles mellifères, on a les deux plus grosses et les deux plus petites. Et les deux plus grosses, on a une qui est présente au Cambodge, qui s'appelle Apis dorsata. C'est l'abeille asiatique géante. Et l'autre est l'abeille asiatique de l'Himalaya, Apis laboriosa. Donc c'est une abeille qui est assez connue en Europe, en France notamment, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu pas mal de reportages dans les magazines comme Géo, où il y a des vidéos de récolte de miel assez spectaculaire sur ces falaises en Oui, Himalaya. exact. Voilà. Oui, il y a le reportage Les Maîtres des abeilles qui a été diffusé sur Arte, qui Voilà, parle ça doit être ça, ouais. de ces pratiques apicoles. Voilà, donc ça c'est Apis laboriosa. Et les deux plus petites qu'on a, donc on les. Alors, pardon, j'ai. Et donc au Cambodge, on a 4 espèces d'abeilles mellifères natives, donc qui sont originaires du Cambodge, plus une cinquième qui est Apis mellifera, qui a été introduite pour l'apiculture. Et donc on a cette abeille géante que je viens de citer, Apis dorsata, l'abeille asiatique géante. On a Apis cerana, dont on a parlé un petit peu avant, et qui donc, est une espèce qui vit dans des cavités, et donc avec laquelle on peut faire de l'apiculture. Et les deux abeilles naines, on en a une rouge et une noire. On a Apis florea, qui est l'abeille naine rouge, et Apis andreniformis, celle-là a un nom compliqué, un peu long, qui est l'abeille naine noire. Et alors, pour la petite histoire, ces deux espèces ont été longtemps assimilées à une seule. On pensait qu'on n'avait pas connaissance d'Apis andreniformis. On pensait que c'était des colonies d'Apis andreniformis qui étaient un peu différents. Et ces abeilles sont petites, hein, elles font moins d'un centimètre de long, elles sont assez fines en fait. Et pardon, j'aurais dû mentionner Apis dorsata, c'est une très grosse abeille. Pour donner un repère, ça fait à peu près la taille, les ouvrières font à peu près la taille d'une reine d'abeilles d'Apis mellifera. Donc c'est Ah des oui, d'accord. grosses, grosses abeilles. Voilà. Et des colonies qui sont très grosses aussi, ça fait jusqu'à 100 000 abeilles, c'est des nids impressionnants. D'ailleurs, si on parle de nids, voilà, c'est des nids qui peuvent faire jusqu'à. Donc, vous imaginez un rayon unique qui est suspendu à une grosse branche et qui peut faire jusqu'à plus d'1,50 m de long sur plus d'1 m de haut. Donc, C'est impressionnant.
C'est gigantesque, hein. Voilà, c'est très très impressionnant quand on le voit Avec de loin. le couvent au centre et en périphérie, pollen et Alors, réserve, en fait. plutôt, pratiquement, mais plutôt en bas le couvain. En fait, on va dire plutôt le miel en haut et éventuellement légèrement sur le haut des côtés et en dessous le pollen, effectivement, et le couvain, voilà, tout le reste. Mais en gros, c'est ça, en fait, si tu veux, c'est vrai. Mais tu as raison de le mentionner. C'est vrai que les abeilles qui nichent en cavité, on a comme une boule. Le nid, c'est comme une boule, avec le miel en haut et autour. Là, non, c'est pas une boule. Et le fait que le miel soit en haut, je pense que, enfin, pour ce qui est les abeilles qui nichent en cavité, il y a sans doute peut-être il y a peut-être une question d'isolation aussi. Mais je pense que c'est, en tout cas pour les abeilles qui nichent en extérieur, avec un rayon unique, c'est beaucoup une question de solidité. Parce que le miel est beaucoup plus lourd. Donc s'il était en bas du nid, je pense que le nid casserait plus facilement, en fait. Oui, Voilà, donc là, on est d'accord. sur des nids, des constructions gigantesques. Autre truc intéressant sur Apis dorsata, L'adorateur, oui. c'est qu'elle, donc d'une part, l'abeille est très grosse. Les colonies sont gigantesques aussi. Elles peuvent faire jusqu'à 100 000 abeilles. C'est très impressionnant. Et le nid est massif aussi. Et en plus de ça, elles ont souvent pour habitude de nicher qu'on appelle en agrégation. Donc, c'est-à-dire qu'elles se regroupent. On peut avoir jusqu'à 200 colonies sur un même arbre ou sur une même structure. Wow. Voilà, c'est très impressionnant quand on tombe sur voilà, un groupe de colonies comme ça. C'est pas systématique. Parfois, elles peuvent vivre isolément, elles peuvent nicher isolément, mais elles peuvent vivre en groupe comme ça. Et À pour quelle revenir, hauteur? c'est une très bonne question. Souvent en hauteur, donc ça peut être jusqu'à 40-50 mètres de haut, selon la taille des arbres. Wow. Il me semble, alors encore une fois, on est sur des abeilles dont la biologie est assez, assez mal documentée, en fait. Il y a eu pas mal de travail de fait, il me semble, dans les années peut-être 80-90, il y a eu les premiers écrits, puis après, il y a un vide, en fait. Et puis là, de temps en temps, il y a un article qui sort. Mais c'est ça qui est passionnant de travailler sur ces abeilles-là, c'est qu'on connaît très peu. Et du coup, on est aussi très peu à travailler dessus. Et du coup, on échange beaucoup. Et voilà, toute observation est intéressante, en fait. Et C'est un très alors, beau terrain de jeu pour toi, hein, quand il y a tout à découvrir, Ah enfin beaucoup de choses à oui, pour moi, découvrir. c'est Magnifique. formidable. Ouais. Et la sélection des sites de nidification, c'est aussi un sujet passionnant. J'ai parlé du challenge que ça représentait pour ces abeilles. Et le fait qu'elle sélectionne préférentiellement des sites sur lesquels il y avait des traces de cire déjà. C'est vrai pour toutes les espèces, parce que comme ça c'est un indicateur que c'est un site qui était favorable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai quand même pu identifier des critères, enfin, moi, ou bien j'ai lu des écrits, notamment de Vietnamiens qui avaient fait des travaux remarquables sur Apis dorsata. Il y a des questions d'inclinaison de branches. Ça peut aller jusqu'à 60 degrés. C'est-à-dire que si la branche est trop inclinée, la colonie ne va pas choisir. Il y a des questions de diamètre de branche. Il faut que la branche soit suffisamment solide pour supporter une structure qui peut faire jusqu'à 40-50 kilos. Enfin, ça peut être quelque chose d'important si on inclut la cire, le couvain, le miel et les abeilles. Les abeilles, je ne me souviens plus du poids des abeilles, mais c'est énorme. Les apiculteurs connaîtront mieux que moi, mais c'est voilà, ça représente plusieurs kilos. Je ne sais plus si c'est pas 12 kilos. Enfin voilà, c'est important. Et puis il y a aussi une notion qui est très importante, qui est la structure de l'écorce. Elles ne vont pas aimer les écorces trop, comment dire, grumeleuses ou crevassées. Ça leur plaît pas. Elles vont préférer des structures lisses. Voilà. Ensuite, il y a des questions. Alors, et ça, c'est pas clair non plus. Il semble qu'elles préfèrent des zones un peu ombragées ou masquées un petit peu. Mais c'est pas systématique, en fait. Voilà. Et alors, et on naturellement, Apis dorsata, ou en tout cas, c'est ce qu'on peut penser, elles sont souvent en hauteur. Voilà, on les trouve souvent en hauteur dans les arbres. Et donc, elle a été souvent décrite comme une abeille qui vivait en haut des falaises ou en haut des arbres. Et il se trouve que ce n'est pas toujours le cas. Cette abeille, on peut aussi la trouver au niveau du sol.
Et dans des contextes très particuliers, on trouve des nids d'Apis dorsata nichant sur des branches à proximité du sol quand il n'y a pas d'autres alternatives. C'est-à-dire que si, alors pardon, si c'est un milieu, un écosystème favorable, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau et il y a des fleurs, mais qu'il n'y a pas d'arbres élevés, les colonies peuvent nicher à proximité du sol, sur des branches à proximité du sol qui soient favorables, c'est-à-dire un diamètre suffisant et une écorce favorable. Et alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que, et tu me posais la question d'apiculture, en fait, ces abeilles-là qui vivent en extérieur, elles ne sont pas domesticables. On ne peut pas les élever, on ne peut pas les mettre dans des ruches, elles ne survivent pas. Par contre, il y a une technique qui est absolument incroyable, qui s'appelle l'apiculture sur poutre, ou en anglais, rafter beekeeping. Rafter, ça veut dire que c'est les poutres d'une construction. Là, ça fait partie d'un document que tu m'avais envoyé. Voilà, voilà, voilà. Je me suis tellement passionné. En fait, c'est avec ça, c'est cette technique que j'ai essayé d'implanter dans les villages flottants. Et c'est comme ça que j'ai découvert les abeilles. En fait, c'est par cette abeille géante et par cette technique. Mais c'est quelque chose d'absolument, enfin, je dirais, fascinant, en fait. Et je me suis tellement passionné de ça. En fait, j'ai fait tellement de recherches là-dessus. Je suis allé voir de nombreuses communautés qui avaient développé ça, qu'on m'a finalement encouragé à écrire un livre. Et donc j'ai écrit un livre sur le sujet, en fait, voilà. Bon, qui malheureusement est en anglais, mais voilà, il y a un livre que j'ai écrit, un petit livre sur l'apiculture sur poutre. Et donc c'est une technique qui a été développée, c'est intéressant, ça a été développée de manière empirique par des communautés villageoises, à ma connaissance par sept communautés villageoises en Asie du Sud-Est, et qui probablement n'étaient pas en lien les unes avec les autres, ou en tout cas c'est pas évident qu'elles l'étaient. Et alors, pourquoi ces communautés ont développé ça et pourquoi à ces endroits-là? En fait, ce sont des communautés qui sont implantées à proximité d'écosystèmes qui présentent les caractéristiques que j'ai évoquées tout à l'heure, une abondance d'eau, donc c'est souvent des zones un peu de marécage, une abondance de fleurs aussi, beaucoup de fleurs, au moins pendant une saison, il faut. Bon, enfin, pour qu'Apis dorsata puisse s'essaimer, il faut 4 mois en fait. Voilà, donc il faut au moins 4-5 mois de floraison successive dans l'écosystème. Voilà, en fait, c'est un truc important ça, en fait, quand on travaille avec ces abeilles-là, de voir quelle est la durée minimum pour que la colonie puisse produire des mâles, des cellules royales et essaiment en fait. Pardon, je peux peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, mais il faut, quand on parle du cycle de ces abeilles asiatiques qui donc migrent, s'installent à un endroit, et quand elles s'installent, le but c'est de collecter de la nourriture et de produire du couvain pour remplacer les abeilles qui sont mortes pendant la migration et de développer la colonie pour atteindre une taille suffisante pour essaimer. Le but c'est de se reproduire, hein. Comme tout être vivant, voilà, on se reproduit. Et à Et l'échelle d'une après, année, c'est quoi les phases? Est-ce que ça commence en quel mois et ça termine en quel mois? ne sais pas Pour la répondre à piste ça. d'Orsata au Cambodge? J'ai du mal à répondre. Parce qu'en fait, Ah non, oui. je ne peux pas répondre. Je peux répondre ponctuellement dans la région où je suis installé, à Siem Reap. Donc, on est sur des forêts qui fleurissent plutôt en saison sèche. Et du coup, les abeilles, les colonies commencent à arriver au mois de septembre-octobre, certaines. Et le pic de la saison, c'est-à-dire que là où on a le plus de colonies, en général, c'est entre mars et mai. D'accord. Et au Mont Dolkiri, dans d'autres régions du Cambodge, avec des forêts qui fleurissent en saison sèche, c'est la même chose. J'ai observé plus ou moins la même chose. Mais ça peut être décalé. Et je ne comprends pas encore très bien, parce qu'on a des périodes où la population croît, après elle rediminue un peu, et je ne sais pas quelle est la contribution de l'essaimage là-dedans et de l'arrivée de nouvelles colonies. Après, je me suis longtemps interrogé où allaient les colonies pendant la saison humide. Et j'ai découvert pour l'instant deux sites. On a un système de forêt inondée au Cambodge. C'est une réserve de biosphère de l'UNESCO qui s'appelle le Tonlé Sap. C'est là où je travaillais justement avec ces villages, ces communautés flottantes. Et là, il y a des floraisons en période humide, en fait. Donc, il y a au moins une partie des colonies qui vont là. Et après ça, sur la côte,
On a une forêt dont je parlerai tout à l'heure qui est intéressante, c'est, on appelle c'est Melaleuca, c'est, on appelle ça aussi l'arbre à thé. On en fait aussi de l'huile essentielle apparemment qui est très très bien. Et c'est aussi, ce sont aussi des forêts qui fleurissent en saison humide. Donc, il y a une grosse population d'Apis dorsata dans ces forêts pendant la saison humide. Après, je ne sais pas tout. Il semble, il n'y a pas, il faut, enfin, de ce que j'en comprends aujourd'hui, ce n'est pas des migrations en bloc. C'est-à-dire que pas toutes les colonies partent au même moment et arrivent au même moment à un endroit, etc. C'est, ça part, voilà, il y a des gros départs, mais il y a des arrivées successives. Voilà, ce n'est pas, c'est pas clair, c'est pas complètement clair. D'accord. Voilà, c'est pas, c'est encore, il y a un énorme travail à faire là-dessus. Moi, je récolte toutes les informations que je peux. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois ou j'entends parler d'un endroit où il y a une colonie qui est arrivée, ben je note. Et quand elle part, je note. Et petit à petit, par recoupement, j'arrive à dessiner un peu des choses, mais je suis très loin. Ça fait partie de mes envies, de mes rêves. J'ai des idées de protocoles scientifiques pour documenter ça à l'échelle d'un pays. C'est pas très dur. Voilà, il y a des façons de faire. En fait. Et là, pardon, je peut-être peux faire une. Dire ça là-dessus, avant de revenir après sur l'apiculture sur poutre. Je suis désolé, j'ai un peu digressé. Mais la migration des abeilles est extrêmement importante quand on s'intéresse à la conservation. Parce qu'en fait, ces abeilles ont besoin de milieux, ont besoin d'écosystèmes pour leur survie. Et du coup, si on veut protéger une espèce, par exemple l'Apis dorsata, il ne s'agit pas de protéger juste un écosystème. Il va falloir en protéger plusieurs, parce qu'il faut protéger tous les écosystèmes utilisés par la population au cours de ces cercles de migration. Donc, il faut les avoir identifiés et comprendre les migrations. Ouais. Je peux revenir sur sur l'apiculture sur poutre, que j'avais commencé à évoquer. Et donc, je disais pourquoi les communautés ont découvert empiriquement cette technique à ces endroits. C'est qu'ils étaient dans les forêts avec une abondance de fleurs, de l'eau et une absence de sites de nidification naturels en hauteur. Et alors pourquoi ? Dans la région, là où j'habite, on a une communauté comme ça, au nord de Siem Reap, à côté des temples d'Angkor. Et en fait, si on est sur une zone marécageuse dans laquelle la forêt ne semble jamais arriver à maturité. Donc on est toujours sur une forêt secondaire basse. Ici, il appelle une forêt à taille d'éléphant. Donc, elle fait entre 2 et 4 mètres de haut. Et donc, ces arbustes, en fait, la taille des troncs et des branches n'est pas suffisante pour supporter le poids d'une colonie d'Apis dorsata. Et peut-être, de temps en temps, il y avait un tronc qui était suffisamment gros et qui était tombé, et du coup, qui avait une inclinaison qui convenait. Et les chasseurs de miel se sont rendus compte que ces troncs étaient favorables à la nidification d'Apis dorsata. Et donc, ils se sont mis à installer des troncs artificiellement, des branches en fait, dans ces forêts pour attirer les essaims, enfin, les colonies d'Apis dorsata quand elles arrivent de migration. Et ils les gardent pendant la saison et ils récoltent le miel. En fait. Voilà. Donc, ça a été développé dans la région où je vis et c'est pour ça, c'est une grande chance. Mais j'ai eu la chance aussi d'aller visiter dans le sud du Cambodge, dans le sud de la Thaïlande et le sud du Vietnam. Et là, on est dans un écosystème qui n'a rien à voir. Ce sont les forêts d'arbres à thé, Melaleuca. Et ce sont des grandes forêts. Les arbres sont assez hauts, peuvent atteindre 10 mètres de haut, avec des troncs et des branches qui sont d'un diamètre tout à fait suffisant pour supporter le poids de colonies. Mais la raison pour laquelle les colonies ne nichent pas sur ces arbres, c'est parce que l'écorce est filandreuse. Elle s'enlève un peu comme les... comment on appelle ça ? Le gum tree, l'eucalyptus. Voilà, c'est une écorce qui se détache. Okay. Et du coup, c'est pas favorable à l'accrochage des nids. Et du coup, j'imagine pareil, il y avait peut-être des arbres qui étaient tombés, et l'écorce s'était décrochée, et il y avait les villageois ont observé qu'il y avait des colonies qui nichaient là-dessus. Et voilà, du coup, ils ont commencé à installer des troncs, des branches pour attirer les colonies. Et ça a été une industrie extrêmement florissante. Enfin, il y avait des milliers de rafteurs dans ces régions-là. Je viens d'écrire un post sur LinkedIn là pour il y a peut-être une ou deux semaines, je ne sais plus, mais c'est en train de s'écrouler complètement. Et c'est révélateur de l'effondrement des populations d'Apis dorsata dans la région, en fait.
Qu'est-ce qui s'écoule? C'est la pratique en tant que telle qui Oui, s'écoule ou le... il y en a quasiment, enfin, il y en a de moins en moins, en fait. Il y a de moins en moins, en fait. Et je pense que la plus grosse communauté, c'est au sud du Cambodge, où il en reste encore. Et Parce que c'est des débouchés alors, économiques qui sont pas... non, 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 en fait, non, Mais non, sinon, la population, de... enfin, il y a beaucoup moins d'arrivées des pistes d'Orsata. Voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a une perte d'habitat, c'est-à-dire que les forêts, ces forêts-là, comme les autres, disparaissent. On est dans des pays où il y a un fort taux de déforestation et de feux de forêt aussi. J'avais vu ça au sud de la Thaïlande. Il y avait eu des feux de forêt. C'était une catastrophe. En fait, la forêt avait brûlé. Et du coup, en plus pendant la saison, donc ça avait tué des colonies d'abeilles. Et là, quand on, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, les colonies ont disparu et c'est les colonies qui n'ont pas pu essaimer. Donc, on a une double perte. Et après, on a aussi la perte de forage, en fait. Il n'y a pas de fleurs pendant plusieurs années, le temps que la forêt repousse. En fait. Voilà. Donc, on va dire déclin des populations d'abeilles et diminution des pertes d'habitat, en fait. Voilà. Et puis, les deux sont liés, en D'accord. fait. La perte d'habitat va aussi entraîner du déclin de population. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pour D'accord. les. De ce que je. C'était les pratiques traditionnelles avec l'abeille géante Oui. asiatique. Voilà. D'accord. J'avais quelques questions avant par rapport au Cambodge. Quelle est la vision des Cambodgiens sur le miel, sur la cire, sur l'abeille, sur le pollen? Quels sont, au point de vue de alimentaire, mais également au point de vue du sacré? Alors, du point de vue du sacré, je n'ai rien trouvé au Cambodge. Et oui, c'est étonnant. C'est très J'ai étonnant. entendu, ouais, j'ai entendu parler en Indonésie de rituels, même au Népal, avant la chasse. Au Cambodge, j'ai rien trouvé. Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Oui. Le Cambodge, c'est un pays assez particulier, en fait, dont. Il y a eu une période historique dramatique. Ils ont eu des décennies de guerre et puis un épisode de noir total, en fait, avec la période Khmer Rouge. Toutes les populations ont été déplacées. Ça a été vraiment dramatique et beaucoup de choses se sont perdues à ce moment-là, en fait. Ouais. C'est pour ça, quand je dis qu'il n'y avait pas d'apiculture avec Apicerana au Cambodge, je pense que c'était le cas. Je pense qu'il n'y en avait pas, mais aussi ça a pu être perdu pendant cette période-là. Oui, un vide historique qui a été fait par les Khmers Rouges, comme C'est tu le dis, ça. ouais. J'ai pas. Je penche plutôt pour qu'il n'y en ait jamais eu, parce qu'en fait, c'est aussi une particularité du Cambodge. De ce que j'ai pu observer, les populations d'Apicerana sont faiblement denses au Cambodge par rapport aux pays limitrophes. Il y a beaucoup plus d'Apicerana au Laos, au Vietnam et en Thaïlande qu'au Cambodge. Et je me dis que c'est probablement parce qu'il y a moins de fleurs. Voilà, c'est l'hypothèse que j'ai. Je ne l'ai pas confirmée, D'accord. mais c'est je l'explique comme ça, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et tu me disais, oui, la Et par perception rapport, le oui, par miel, rapport à la etc. cire, au miel et au couvain d'abeilles aussi, les larves. Oui, ah oui, un drame. Alors, le miel, c'est pas que au Cambodge, mais essentiellement au Cambodge, enfin, no, notamment au Cambodge. C'est considéré plus comme un médicament ou un cosmétique. C'est-à-dire que les femmes vont l'utiliser pour des soins de la peau et ça rentre dans des préparations médicinales traditionnelles. Donc voilà, on le voit plutôt par rapport à des vertus médicinales que par rapport. C'est pas tant un produit alimentaire, en fait. Voilà. Et du coup, ouais, et la qualité importait peu, du coup, en fait. Enfin, voilà, c'était parce qu'on était dans des pays tropicaux, avec souvent des miels avec un fort taux d'humidité, et c'était pas forcément gênant, quoi, en fait. Et d'ailleurs, un autre D'accord. truc, c'est que pour ce qui est des miels médicinaux, il y a une croyance, c'est que plus le miel est foncé, mieux c'est. Et alors, ça peut être vrai pour certains miels qui sont naturellement foncés, mais c'est souvent un marqueur de vieillissement du miel, en fait, qu'il est trop vieux, quoi, en fait. Et ici, non, il y a la croyance, il est noir, c'est bien. Et alors après, il y a d'autres, ça c'est les croyances historiques, on va dire. Et de ce fait-là, on est quand même sur des consommations très faibles. Je n'ai pas les consommations en France, pardon, au Cambodge, mais au Vietnam, c'est 40 grammes par personne et par an.
Oui, Ah oui, c'est dérisoire. Quand on compare le Japon, je crois que c'est 2 kilos par an et par personne. En Nouvelle-Zélande, ouais, c'est en 1 France, on est kilo. dans Enfin, l'ordre, c'est... cet ordre d'idée, oui, on est à 2-3 kilos par an et Alors, par voilà. Ouais. personne. Donc, ça n'a rien à voir. Ici, c'est dérisoire parce que les gens, naturellement, enfin, le voient pas comme un produit de consommation, en fait, alimentaire. C'est en train de changer tout doucement. Ça se comprend parce que aussi ici l'aliment de base c'est pas le pain en fait, enfin, c'est le riz et voilà et le petit déjeuner c'est pas la même chose que chez nous en fait. Le miel je pense que chez nous il est essentiellement enfin, beaucoup consommé au petit déjeuner sur un accompagnement de tartines ou autre en fait, ce qui n'était pas le cas ici. Dans les fosses, alors c'est très intéressant cette perception du miel. Il y a pas qu'au Cambodge mais il y a très faible connaissance du miel et des fausses croyances. Et il y a une fausse croyance sur le miel, c'est que les gens ici, et encore une fois, c'est pas qu'au Cambodge, pensent qu'un miel qui cristallise est un miel frelaté. C'est un miel qui a été mélangé avec du sucre. Parce qu'ils pensent reconnaître dans les cristaux de miel des cristaux de sucre. Voilà. Ils savent, ils voient le sucre blanc, les cristalliser, et ils pensent reconnaître ça. Et alors, et du coup, il y a un rejet systématique de tout miel qui cristallise. Et ce qui est intéressant, c'est... Alors, j'ai trouvé un écrit aux États-Unis il y a peut-être 60 ans et qui disait la même chose. C'est étonnant, mais voilà, il y avait les mêmes fausses croyances. Alors, je ne sais pas si c'était le cas en Europe. Il me semble que chez nous, on a toujours été habitué à des miels cristallisés. Moi, j'ai grandi avec du miel crémeux. J'ai découvert le miel liquide à 15 ans ou à 16 ans et ça a été une découverte, j'étais même pas sûr que ce soit du miel. Enfin bon, pour moi, le miel, c'était du miel crémeux, en fait. Et ici, on est sur des miels comme on est sur un climat tropical, donc on a des miels qui sont naturellement, enfin souvent, à taux d'humidité un peu plus élevé. Et puis, on est sur des températures élevées. Donc, c'est deux facteurs importants pour la cristallisation, le taux d'humidité, en gros. Plus un miel est humide, moins il va, dans l'ensemble quand même, moins il va cristalliser. Et plus la température est élevée, enfin la température optimale de cristallisation, c'est 14 degrés. Donc plus on s'en éloigne, moins le miel va cristalliser. Donc au Cambodge, je peux imaginer que historiquement, il n'y avait pas de miel cristallisé. Et les gens ont commencé à voir du miel qui cristallisait quand ils ont eu la clim, des frigos, et c'est arrivé. Plus ou moins au moment où il y avait de l'apiculture qui se développait, pas forcément au Cambodge, mais dans les pays limitrophes. Et les gens ont associé la cristallisation, qui était un phénomène nouveau, à l'apiculture et au nourrissage des abeilles. En cambodgien, enfin, les Cambodgiens, souvent, quand ils disent, pour dire apiculture, ils disent nourrir des abeilles. Ils appellent ça nourrir des abeilles. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors ça, c'est pour le miel. Oui. Ensuite, la cire, je ne connais pas bien. En fait, c'était utilisé pour des cérémonies traditionnelles et puis pour toutes les cérémonies bouddhistes, en fait. Maintenant, c'est remplacé par de la cire, comment dire, de la paraffine, en fait. Enfin, voilà, la Issu du cire pétrole. artificielle, voilà. Donc, non, il n'y a plus d'utilisation pour ça. Ça, c'est tout ce que je connais sur la cire, à part ce que j'ai. Oui, et effectivement, voilà, et historiquement, c'était quelque chose d'important en fait, dans l'histoire des temples d'Angkor. C'était un impôt, sans doute. Voilà, il y avait quelque chose voilà, ça avait une vraie valeur, mais je n'ai pas connaissance que ça existe encore. En fait. D'accord. Et alors, par Et le contre, couvent? voilà. Ah, le couvain, voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement incroyable vu de France, j'imagine. C'est que le couvain d'abeilles et notamment d'Apis dorsata et d'Apis florea est considéré comme un mets de choix en Asie et notamment au Cambodge. Donc les gens se délectent de la consommation de larves d'abeilles. Alors là, au Cambodge, ils font ça. Ils prennent tout le couvain, ils coupent ça en morceaux, ils emballent ça dans des feuilles de bananier, puis dans des feuilles d'aluminium, et ils mettent ça au barbecue. Et voilà, ils se régalent de ça en mettant un peu de miel dessus et de la sauce pimentée, etc. Bon, moi, j'en ai pas mangé au Cambodge. La manière dont c'est préparé m'inspire pas. J'en ai mangé au Vietnam, j'ai trouvé ça délicieux,
Elles étaient préparées individuellement, sorties de la cire, parce que là, au Cambodge, ils mangent la cire à moitié fondue. C'est assez bizarre. Au Vietnam, c'était effectivement délicieux. Maintenant, on est sur une véritable catastrophe. C'est-à-dire que cette consommation de couvain entraîne, encourage, on va dire, la destruction de nids. C'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, mais une activité, la collecte de miel sauvage est une activité qui est extrêmement importante dans la région, en Asie du Sud-Est, et notamment au Cambodge. Au Cambodge, ça doit participer à la survie de sûrement de milliers et peut-être de dizaines de milliers de familles défavorisées. C'est très important. Et donc les gens récoltent le miel et le commercialisent. Et tant que c'est que ça, c'est pas très grave. Ça peut avoir un impact sur l'essaimage, c'est-à-dire qu'on sait très bien quand on est apiculteur que si on récolte le miel, on a moins de chances que la colonie essaime. Après, ça dépend des sous-variétés avec lesquelles on travaille. Mais voilà, on diminue la puissance de la colonie. Le problème, en fait, c'est quand les gens récoltent tout. Ne se contentent pas de récolter le miel, mais récoltent également le couvain. Parce que là, du coup, on est sur de la destruction, on est sur la destruction intégrale du nid. Et là, on affaiblit complètement la colonie, il faut qu'elle redémarre à zéro. Si mes souvenirs sont bons, je crois que pour produire 1 kg de cire, il faut l'équivalent de 8 kg de miel en énergie. Donc, c'est juste gigantesque. Il faut imaginer une colonie qui repart de zéro, elle a perdu tout son couvain, donc il y a éventuellement essentiellement des vieilles abeilles, elle n'a plus de réserve. Même si elle ne meurt pas, enfin, elle repart de zéro dans des conditions dramatiques, en catastrophe, parce qu'elle n'a pas eu le temps de se charger de miel, etc. Et si par malchance la reine a été tuée, c'est foutu. Parce qu'il n'y a plus de larves, donc il n'y a aucune chance d'élever une nouvelle reine. Et je dis ça parce que y a aussi, donc ici on a des chasseurs qu'on appelle professionnels, donc qui ont une expérience des abeilles, donc qui n'en ont pas peur, qui ont beaucoup de métier, mais c'est une activité qui est lucrative. Donc un peu tout le monde et n'importe qui si il passe à côté d'un nid d'Apis dorsata ou d'Apis florea, il va le prendre. Et quand c'est des gens qui n'ont aucune connaissance, ça leur fait peur, ce que je comprends, et du coup ils vont utiliser soit du feu donc pas un enfumoir mais vraiment des flammes, ou soit une bombe d'insecticide en fait. Voilà, Ah, pour carrément. là où ouais, carrément ouais. Voilà, donc voilà, je les laisse imaginer la qualité du miel et du couvain, et l'impact sur les abeilles est dramatique. Et voilà, et là on est enfin vu l'ampleur du phénomène au Cambodge, on est sur un drame. C'est juste absolument catastrophique ce qui est en train de se passer. Moi, je suis complètement démuni. En fait, j'ai travaillé sur le sujet avec l'UNESCO, j'ai produit une vidéo pour essayer de sensibiliser les consommateurs à cette problématique, parce que les gens ne se rendent pas compte, comme beaucoup de choses qu'on fait. On le fait en bonne conscience, en se disant, ben voilà, moi j'aime ça, mais j'aime les abeilles aussi. Mais voilà, et puis il n'y a pas de lien entre je consomme du couvain, mais voilà, j'adore les abeilles. Et, voilà. Et du coup, enfin, les gens ne se rendent pas compte. Je vois des dizaines, voire des centaines de posts sur les réseaux sociaux de chefs cambodgiens qui se vantent de nouvelles recettes avec ça. C'est un mets qui est proposé dans les restaurants. C'est tous les sites qui s'ouvrent. À l'écotourisme, c'est-à-dire le tourisme de nature, etc. C'est quelque chose de nouveau au Cambodge. Les populations urbaines commencent à retourner vers la nature. On a connu ça chez nous et c'est très bien. Sauf que c'est un effet pervers qu'on n'avait pas imaginé. Mais moi, que je constate, c'est évident. J'ai alerté l'UNESCO là-dessus et ils n'en revenaient pas. Ils me disaient, mais non, pardon. Ils me demandaient quelles étaient les menaces sur la population d'abeilles. Et parmi les menaces que j'ai cité le développement du tourisme naturel. Tourisme voilà, en nature. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, ça c'est bien. Ils disent, ouais, il y a des côtés positifs, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens vont voir la nature, ils ont envie de s'imprégner de la nature. Et une façon de s'imprégner de la nature, c'est de la consommer. Voilà. Comme nous, on va ramasser des framboises dans la forêt, ben voilà, eux, ils veulent, ou des champignons, ben eux, voilà, ils vont manger des choses de la nature. Et à chaque fois, sur chaque site qui se développe, je le vois, il y a des vendeurs de couvain qui se mettent sur le long des routes. Et voilà. Donc, il y a D'accord. encore quelques sites au Cambodge où les gens ne récoltent que le miel. Ça a été un travail gigantesque de les convertir, c'est-à-dire de leur faire arrêter. Avant, ils ne vendaient pas le couvain.
C'était uniquement les femmes enceintes et puis les chasseurs de miel qui, pendant leur trip, qui parfois dure une semaine, mangeaient un peu de lard pour avoir des protéines. Mais ils détruisaient le nid parce qu'en fait, c'est plus simple. C'est-à-dire que quand on est, faut imaginer le contexte, on est perché à 40 mètres de haut avec 100 000 abeilles qui nous tournent autour. On a un enfumoir qui est efficace, mais en partie. Puis les gens, ils ont encore la plupart aucune protection. Rien, rien, rien. Même pas de filet, rien. Et du coup, le fait de, si on coupe le couvain tombe et les abeilles, elles suivent le couvain. En fait. Donc, en fait, on se débarrasse des abeilles. La pression après est bien moins. Donc, en fait, ils avaient tendance à faire tomber le couvain et après, ils récoltaient le miel. Et donc, on a fait tout un travail avec des communautés de chasseurs de miel. Je dis, je ne suis pas le seul. Hein. J'ai travaillé dessus, mais il n'y a pas que moi. Et on a réussi à les convaincre de changer de pratique. Et là maintenant, une par une, ces communautés se font rattraper par cette demande. Et c'est très difficile de lutter parce que ce sont les communautés les plus pauvres du pays, parfois des gens sans terre. Et il y a une telle compétition, en fait. Enfin, comme la ressource se raréfie, il y a de moins en moins de forêts, donc de moins en moins d'abeilles. Et de plus en plus de gens qui sont précaires. Enfin, on est aussi touché ici par les conséquences de la mondialisation. Donc les gens... Il y a une grande disparité dans les revenus et dans la richesse des gens. Et les gens ont des besoins qu'ils n'avaient pas avant. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est persuadé d'avoir besoin d'un téléphone portable, d'une moto, de machin, ce qui n'était pas le cas avant. Et quand on a des très faibles revenus, ben ça, c'est un moyen d'augmenter ses revenus facile, rapide. C'est difficile de résister. En fait, la seule façon pour moi, j'ai longtemps pensé qu'il fallait convaincre les chasseurs de miel. J'ai longtemps travaillé avec eux. Je continue à travailler avec eux. J'ai un écho favorable. Ils sont intéressés. Quand je leur parle de la biologie des abeilles, etc., il ne faut pas juste arriver en leur disant il faut arrêter ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ça ne sert à rien. Mon approche, et je passe une journée avec eux. On parle de la biologie des abeilles. Je les écoute beaucoup parce qu'ils ont plein d'observations. Et j'essaye de donner des explications, de leur proposer des solutions scientifiques à ce qu'ils ont observé. Et petit à petit, j'y arrive un tout petit peu. Mais en fait, je me suis rendu compte que le vrai travail à faire, c'est avec les consommateurs. En fait, il faut assécher la demande. C'est, tant que la demande existe, il n'y a rien à faire. Ouais. Et on arrive, on a beaucoup parlé de Dorsata finalement. En fait, il me semble que... Enfin, moi, je commence à être inquiet d'une extinction locale, en fait. Voilà. Ouais. La population est en tel déclin. Et il y a une telle pression, alors j'ai pas parlé, les feux de forêt, oui, il y a les feux de forêt, il y a les défrichements, j'en ai parlé. Le Cambodge, c'est 25% des forêts qui ont disparu en 20 ans, c'est gigantesque en fait. La forêt du Tonlé Sap, la forêt inondée du Tonlé Sap, en 2016, une seule saison, il y a un quart qui a disparu en fait. Voilà, c'est les incendies, et ça, c'était une année El Niño, donc une année particulièrement sèche, mais qui préfigure un peu ce qui nous attend avec le réchauffement climatique. Et voilà, petit à petit, ces pressions augmentent, et en plus de ça, la chasse sauvage est systématique, et il y a de plus en plus de chasseurs de miel qui sont de plus en plus désespérés, et comme il y a beaucoup de compétition, avant, les chasseurs de miel attendaient au moins qu'il y ait du miel, c'est-à-dire qu'ils récoltaient. Même ceux qui récoltaient tout, ils attendaient qu'il y ait du miel. Maintenant, ils n'attendent même pas qu'il y ait du miel. C'est-à-dire que la colonie vient d'arriver, a commencé à construire quelque chose. Ils le prennent parce qu'ils se disent, si je ne le prends pas, c'est le suivant qui va le prendre. Donc, ça arrive qu'ils prennent un rayon. Il n'y a que des œufs. Mais c'est une colonie qui arrive de migration et qui est épuisée et avec des abeilles qui sont vieilles. Et elle n'a même pas eu le temps de faire un cycle de couvain. Enfin, c'est juste... Enfin, j'en souris, mais c'est absolument dramatique et personne n'a conscience. C'est vrai, oui. Très bien, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Et à très bientôt. Bon séjour au Cambodge. Merci, ciao. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Eric Guérin pour ce premier échange. Oui, vous m'avez bien entendu. Il y en aura d'autres, car je suis fasciné d'avoir ouvert cette porte de l'apiculture en Asie grâce à Eric, et nous avons prévu d'échanger à nouveau. Si vous voulez soutenir ce podcast, la meilleure manière est de le noter sur votre plateforme préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou votre application Android. Et je tiens à remercier les 5 personnes qui ont noté le podcast à ce jour.
Je vous serai également très reconnaissant si vous parlez de ce podcast autour de vous afin de le faire connaître. Et si l'apiculture vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide de 37 pages pour vous aider à installer vos premières ruches et garder vos abeilles en bonne santé. Pour cela, allez sur le site mespremièresruches.com et indiquez à moi dans la fenêtre qui s'affiche votre meilleure adresse email à laquelle je dois vous envoyer le guide. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremièresruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt.